Si cette manifestation organisée par la diaspora rwandaise en Suisse, avec la participation de nos compatriotes belges, consiste à dénoncer la arrestation de Madame Rose Kabuye, chef du protocole du président de la République, arrêtée en Allemagne le 9 novembre, dans l'irrespect total des règles des conventions de Vienne. Elle était protégée par l'immunité diplomatique, elle était en mission d'État, elle était venue préparer la visite du président et puis elle a été arrêtée suite au mandat d'arrêt international européen délivré par le juge français Jean-Louis Bruguère. Nous disons aux autorités françaises d'arrêter tout ce mépris envers le Rwanda, d'arrêter de vouloir faire des autorités rwandaises les responsables de l'attentat contre l'avion de Habyarimana et donc, selon eux, les responsables du génocide. D'arrêter de protéger les génocidaires qui se baladent librement sur leur territoire, qu'ils jugent ces présumés génocidaires au lieu de vouloir juger ceux qui ont libéré le Rwanda, ceux qui ont arrêté le génocide. Nous sommes là justement pour exprimer toute notre sympathie à Rose Kabuye, tout notre soutien, toute notre solidarité et toute notre admiration parce que, consciente de son innocence, elle n'a pas eu peur d'aller se présenter devant la justice française, devant les juges français. Et maintenant, ce que nous demandons, c'est que justice se fasse et que la vérité éclate au grand jour. Ça veut dire la vérité de son innocence. Ce qu'il faut noter, c'est que cette manifestation a été organisée un jour de la semaine où les gens travaillent, où les gens vont à l'école. Ce n'est pas évident, mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le nombre. Ce qui compte, c'est le message qui est transmis. Voilà ces beaux slogans qui sont sur ces pancartes. Et voilà, le message il passe à travers la presse, à travers les médias comme le vôtre, quoi. Nous espérons qu'il sera diffusé à travers le monde. Pour qu'il atteigne surtout la population française, que la population française sache ce qu'ont fait ces dirigeants depuis 90, surtout en passant par 94, avant 94, leur implication, l'implication des dirigeants, l'implication des militaires dans la préparation du génocide, l'implication des militaires dans l'exécution du génocide, l'implication des militaires et des dirigeants après le génocide, dans le soutien qu'ils ont continué à apporter à ceux-là même qui avaient commis le génocide. Je pense notamment à l'opération Turquoise qui n'était rien d'autre que une façon d'exfiltrer tous ces personnes qui venaient, tous ces miliciens et ces militaires qui venaient de commettre ce génocide, quoi. Et qui aujourd'hui, 14 ans après, sont responsables, sont la cause de l'instabilité permanente dans la région du Kivu. Avec tout ce qui s'ensuit comme misère pour la population congolaise pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. Pour nous, ces mandats d'arrêt lancés par le juge Bruguère contre Rose Kabuye et les 8 autres hauts responsables du Rwanda, des proches collaborateurs du président Kagame, sont rien d'autre qu'une façon d'éluder la responsabilité que les politiciens français de l'époque et les militaires portent dans ce drame que notre pays qui a endeuillé notre pays. Et les autorités françaises ne sont pas dans la réalité. C'est les gens, ils ont poursuivi des gens qui n'étaient absolument pas des terroristes. Bandazizaji ukuchachu, ujimisozi,
Mahanga yose, mazisha ujawe,